Audio Jungle. Et après, on a fait 5 km en kayak par équipe de deux. Et une fois arrivé de l'autre côté du lac, on a fait une sorte de course d'orientation pour arriver à cet endroit assez joli et être accueilli par Jean-Marie pour bivouaquer. Ouais, c'est sûr que moi, je suis de la région, je suis à Saint-Martin-d'Hères. Mon père a joué à Grenoble il y a des années, donc je suis content de jouer dans ce club. C'est sûr que ça a une saveur particulière pour moi parce que je suis né ici, donc retrouver ses couleurs avec un club qui a de l'ambition et pourquoi pas vivre des phases finales et une remontée en top 14 serait vraiment sympa. Okay. C'est la première fois quand même que j'arrive où le premier jour on part directement en stage. D'habitude on commence par des entraînements puis on part en stage un peu plus tard. Là c'est la première fois où j'arrive dans un club où on part en stage directement, mais je trouve que c'est très bien parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs et du coup pour l'intégration, d'avoir fait des équipes mixtes avec des nouveaux et des anciens, ça permet à tout le monde de bien s'intégrer. Il y a différentes cultures avec des étrangers, des Français. Et du coup, pour refaire une unité d'équipe, c'est vraiment intéressant. On avait parlé aux entraîneurs, mais j'ai eu la confirmation par Fabien en mars, qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit qu'il comptait sur moi pour la saison prochaine et que j'allais sûrement faire la préparation avec les pros. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Une grande joie. Pour moi qui suis 2002, qui suis là sur le groupe le plus jeune, de savoir en plus la préparation qui est en août et moi qui étais prévenu en mars, vraiment ça m'a fait plaisir. Et de savoir qu'il m'a conforté, de savoir que je faisais partie du groupe, de savoir que j'étais dans l'équipe et pas que j'étais juste là pour faire du nombre ou quoi. Donc, vraiment très heureux.